Bienvenue à tous les coureurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour la course officielle de Saint-Germain-en-Laye. Pourquoi ? Le parcours est constitué de deux boucles de 5 km. Le dénivelé, on ne sait pas encore, il est élevé à combien. On vous affiche actuellement le parcours à l'écran. Alors Mathéo, quel temps penses-tu faire aujourd'hui ? Alors moi, pour cette course, j'aimerais effectuer le 10 km en moins de 41 minutes. Après, on verra si je vais réussir. Comment te sens-tu avant la course ? J'ai vu le départ. Là, le départ, il est assez impressionnant. Il y a 600 participants sur cette course. On va essayer de tout donner et puis c'est parti tout simplement. Que comptes-tu faire avec l'argent que tu as gagné? Donc Brian, comment te sens-tu avant cette course? Bon, en vrai, je me sens assez bien. J'ai pas trop dormi cette nuit parce que j'étais un peu pressé de la course. Mais en vrai, je vais tout donner et puis tout simplement, il va falloir courir. Et quel chrono vises-tu pour cette course? Je vise de faire les 10 km en moins de 40 minutes. En vrai, ça peut le faire parce que comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'HR, j'étais à 15 secondes dès 40 minutes. Donc en vrai, si je me donne à fond, je pourrais y arriver. On va essayer de vous mettre des plans de la course pendant la vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Allez les gars! Allez Matt, allez on y va! On se retrouve pour le débrief de la course. Donc on va chacun vous expliquer le ressenti de notre course et du chrono. Donc ma course est en réalité très bien passée. J'ai passé les 10 km en 40 minutes et 37 secondes. Je vous affiche actuellement mon placement. Donc j'ai été le 38e sur 560 participants. Je suis peut-être parti un peu vite, mais je suis parti comme j'ai dit dans la vidéo sur HR, dans la foulée du coureur avec qui j'ai couru à HR. Donc on est parti en 3 minutes 40 pour le premier kilomètre, puis après je l'ai tenu jusqu'au 3ème kilomètre, mais je l'ai lâché. J'ai donc fini ma course du 3ème au 10ème kilomètre tout seul, mais en vrai ça s'est très bien passé. En vrai je suis quand même satisfait de ma course, mais bon je suis un peu frustré parce que je voulais faire en dessous de 40 minutes, mais je suis quand même à 36 secondes de mon objectif. Donc maintenant je vous laisse avec le ressenti de Mathéo. Pour mon ressenti personnel, cette course s'est plutôt bien passée en général. Cette course était constituée de deux tours de 5 km. J'ai réussi à effectuer les 5 km en 21 minutes. Et pour le deuxième tour, donc pour les 5 derniers kilomètres, j'ai réussi à gratter 20 secondes sur mon premier temps. J'ai réussi à effectuer ce 10 km en moins de 21 minutes et 7 secondes. Donc en vrai, le terrain était vraiment magnifique. Comme vous avez pu le voir, on était à côté du château de Saint-Germain. Du coup, c'était vraiment magnifique. Les chemins étaient incroyables. Il n'y avait pas trop de dénivelé. Je crois qu'on est monté de 50 mètres. Mais c'était bien, vraiment c'était vraiment très bien. Donc en plus de ça, on a une petite vue sur la défense qui était magnifique. On est également arrivé 3ème et 4ème cadet sur 15 cadets dans la course. Donc on a également eu des petits t-shirts comme vous aurez pu le voir avec le petit dos qui est ma foi magnifique. Donc voilà, donc si vous voulez voir d'autres vidéos avec nos temps, n'hésitez pas du coup à aller regarder notre ancienne vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à partager, ça nous aiderait énormément. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt les coureurs.